Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Phew! Ah, on vient de se réveiller. Ah bon, je vais descendre un petit peu. Hop là, let's go. Ah là 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 là. Ah bah tiens, regardez, il y a ma maman qui est juste en face. Ça va maman? Oui, ça va chérie. Ah bah ça va super. Je vais prendre un truc dans le frigo, je vais déjeuner. Ok, je vais prendre une bonne glace, je pense. Tac. Comme vous pouvez le voir les gens, du coup je suis en train actuellement de vivre avec ma maman tous les deux. Donc du coup c'est super. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais je pense que je vais bien m'amuser. Oula, qu'est-ce qu'elle a ma maman? D'ailleurs chérie, faut que je te parle. Ah bon? Pourquoi il faut que tu me parles? Qu'est-ce qu'il y a? Y a un souci? J'ai plus d'argent. Ah! T'as plus d'argent? Bah c'est pas grave, on va s'en sortir, on va se débrouiller de toute façon. D'ailleurs je vous prends 10 petites secondes, je vous donne le défi de vous abonner et de liker cette vidéo avec votre petit doigt. Et oui, votre petit doigt, j'espère que vous y arriverez, vous avez 10 secondes. Que 1 centime? Ah ouais, à ce point là quand même, c'est vraiment très très peu niveau argent hein. Je peux plus payer la maison. Quoi? Mais comment ça tu peux plus payer la maison? Mais comment on va faire? Bah va falloir que tu travailles. Ah! Bah écoute maman, pas de soucis, je vais travailler mais... Bon bah écoutez... Bon écoutez les gens, je crois que je vais devoir m'y mettre, c'est parti, je suis même pas allé à l'école, je vais devoir trouver un travail. On va se débrouiller comme on peut et puis c'est tout. Bah écoute maman, je vais partir, je vais juste prendre une pomme en partant. Hop, une petite pomme, et puis voilà, hop. Bah vas-y, je te dis à tout de suite maman. À tout, je t'appellerai, ok? Pas de soucis, tu m'appelleras. Bon les gens, clairement là c'est le caca, je suis dans le pétrin avec ma maman. Si on n'a pas d'argent, on ne pourra pas payer cette maison, le terrain, tout ça, cette caravane. Donc du coup, faut vite qu'on trouve quelque chose pour pouvoir récupérer de l'argent. Bon bah c'est parti, on va y aller, là là là. Prends cette somme d'argent de 1 million, sinon pas d'argent. Faut que j'ai la même? Mais comment ça? Faut que j'ai la même? Si tu ne récoltes pas 1 million d'euros, ta famille et toi partiront de cette maison. Ah bon? Mais comment ça? Comment ça? Mais pour quand je dois récupérer les 1 million? Pendant 2 jours, pas plus. Oh, les gens, je n'ai que 2 jours pour pouvoir récolter toute cette somme. Mais c'est astronomique, comment je vais faire? Oh là 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 là. Bah pas de soucis monsieur, j'y vais tout de suite. Bon les gens, on doit récupérer 1 million d'euros en moins de 2 jours. Comment on va faire? Oh là 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 là, en plus sur moi j'ai qu'une pomme. Je vais pas travailler, sinon ça va prendre trop de temps pour récupérer l'argent qu'il faut. 1 million d'euros. Faut que je trouve quelque chose, faut que j'aille échanger cette pomme que j'ai. Comment je pourrais faire? Ah j'ai peut-être une idée. Oh les gens, ça fait plusieurs minutes que je cours dans la ville pour chercher un truc. Il y a quelqu'un qui est dans cette ville. Oh bah tiens, regardez, il y a un vieux pépère. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui. Ah bah tant mieux si vous allez bien, j'ai vraiment besoin d'aide monsieur, je vais devoir partir de chez moi car ma maman elle va pas bien. Hein, t'as dit quoi? Ah mince, il est sénile, il entend pas ce que je dis. J'ai dit en gros c'est simple, il faut que j'aide ma mère à avoir 1 million d'euros pour pouvoir l'aider. T'as dit quoi? J'ai dit il faut 1 million d'euros pour pouvoir aider ma maman. Ok, bah oui c'est ça que je disais. Et justement vous pensez pouvoir m'aider? Oui, et comment vous voulez m'aider? Non je peux pas t'aider. Oh mince, mais comment je vais faire? Par contre j'ai faim. Ah les gens, j'ai peut-être une idée. Bah si vous voulez monsieur, j'ai une pomme, regardez. Si vous voulez je peux... Ah bah non, je vais pas la manger. Mais si vous voulez je peux vous la donner. Mais par contre faut me donner quelque chose en échange. Non, hep hep hep, faut me donner quelque chose en échange. Vous avez quoi pour moi? Ça, un arrosoir. Bon pourquoi pas. Ah mais arrêtez de m'éclabousser. Oui bon, c'est bon, j'ai compris, arrêtez, je vais vous donner la pomme, juste donnez-moi l'arrosoir. Fiu! Bah les gens, c'est bon, j'ai un arrosoir. Bon bah je crois que ça coûte plus cher qu'une pomme. En tout cas, je vous remercie monsieur, c'est très gentil de votre part. Et t'as besoin de quoi? Rien, vous... Merci, bah pas de soucis, merci à vous, au revoir monsieur. Bon les gens, on a un arrosoir. Bon, je pense que déjà, premièrement, ce qu'on pourra faire, c'est échanger l'arrosoir comme avec cette pomme. Mais je sais pas contre quoi on pourra l'échanger cet arrosoir quand même, hein. Qui aurait besoin d'un arrosoir? C'est complètement bête. C'est pas grave, on va trouver. Bon les gens, du coup, je viens de récupérer un arrosoir, mais je sais pas contre quoi l'échanger là. Du coup, là, ça veut... je me balade depuis tout à l'heure en ville et puis voilà. Ah bah tiens, regardez le monsieur qui est là. J'ai chaud, le soleil c'est nul, il faut de l'eau, sinon je vais mourir, j'ai trop chaud. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Si vous voulez, je peux vous aider, hein. On va essayer d'échanger quelque chose avec lui, puisque j'ai de l'eau dans mon arrosoir. Bonjour. Bah, écoutez, vous avez trop chaud, c'est bien ça? Oui. Ah ouais, bah, si vous voulez, je peux vous avoir de l'eau, j'ai de l'eau dans mon arrosoir. Ah, merci. Ah, merci. Ouais, bah ouais, tant mieux. Mais par contre, va falloir me donner quelque chose en échange de l'arrosoir, hein. Ma caméra de youtubeur. En vrai, une caméra, ça vaut beaucoup plus cher qu'un vieil arrosoir, donc... Bah, moi, ça me va, marché conclu, je veux bien récupérer la caméra et vous prenez l'arrosoir. Merci.
Ah bah pas de soucis monsieur, c'est moi qui vous remercie, hein. Clairement là je suis absolument très très bien. Bon bah je vous laisse, au revoir monsieur. Les gens, on vient de récupérer une caméra contre un arrosoir. Clairement le gars, on vient de le duper. Genre dans les meilleurs je sais pas comment on a fait. Bon c'est pas grave, maintenant on a réussi à récupérer une caméra. À la base on était parti d'une pomme hein, je vous rappelle. Bon maintenant je sais pas qu'est-ce qu'on pourra prendre à la place de cette caméra. Mais on va se débrouiller et on va trouver. Enfin bref, je vous retrouve tout de suite. La 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 la. J'en ai marre d'être guitariste, youtubeur c'est mieux. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Vous avez dit que vous en avez marre d'être guitariste, vous voulez être youtubeur? Oui. Bah regardez si vous voulez monsieur, j'ai une belle caméra HD qui filme la 4K en 60 fps. Merci, ouais merci, mais d'abord je veux quelque chose en échange hein. Je la donne pas comme ça ma caméra hein. La guitare ça vous va? Je suis pas sûr hein, la guitare ça coûte moins cher qu'une caméra monsieur hein. T'inquiète, ça se revendra à bon prix. Vous êtes sûr que votre guitare elle se revendra à bon prix? Moi je suis pas sûr hein. Oui, bon ok, je vais vous faire confiance. Salut tout le monde. Bon, je vais le laisser, je vais le laisser faire ses petites vidéos. Au revoir monsieur hein. Je vous dis au revoir. Bon les gens, du coup là je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai peur de m'être fait rouler un petit peu parce que clairement une guitare contre une caméra, je suis pas sûr. Après il a dit que ça se revendrait à bon prix. Je sais pas si ça se revendra plus cher que la caméra clairement hein. Mais je pense qu'on va essayer de trouver. Dans tous les cas, faut continuer d'avancer et on trouvera bien quelque chose. Enfin bref, je vous retrouve tout de suite. La la la. Oh bah. Écoutez, il écoute de la... Mais regarde, écoutez les gens, il écoute de la guitare lui. Vous pensez qu'il aime la guitare? Bon, c'est pas grave. Au pire, vous savez quoi, je vais essayer de tenter de d'échanger quelque chose. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Pour vous allez bien? Vous aimez bien la guitare? À ce que j'ai entendu, vous l'écoutez là? J'adore. Ah bah ouais, ok, d'accord. Bah si vous voulez monsieur, regardez, j'ai une belle guitare. Regardez la guitare que j'ai. Ah yes! Oula, il devient complètement fou, mais qu'est-ce qu'il a le monsieur? Déjà, qu'est-ce qu'il a le monsieur? Je lui ai montré une guitare. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi vous êtes complètement fou avec cette guitare? Jimi Hendrix, j'adore. Mais comment ça vous adorez Jimi Hendrix? Je veux la guitare. Ah, c'est la guitare de Jimi Hendrix! Oui. Ah, bah écoutez, si vous voulez, je peux vous l'échanger la guitare, mais je veux quelque chose en échange, moi. Hein. Je veux un bon truc en échange, hein. Je m'attendais pas à ce que j'aille rencontrer une superstar de la guitare, en fait. Non, mais les gens, c'est n'importe quoi. Maintenant, je peux échanger la guitare contre n'importe quoi. Tenez la voiture, modèle métal. Mais oh la vache, la voiture. Oh là 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 là. Ouais, bah je vous donne tout de suite. Je vous donne tout de suite la guitare, hein. Turbo et tout, ah ouais, turbo la guitare, ah ouais. Bah je vais tester tout ça hein. Phew, bah écoutez monsieur, je vous laisse profiter de votre guitare hein. Ok, pas de soucis, au revoir. Oh là 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 là. Oh, la voiture les gens, non mais regardez cette voiture, elle est incroyable. Oh là 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 là, non mais regardez la vitesse à laquelle elle va. Non mais c'est incroyable, mais cette voiture, je sais même pas combien elle coûte hein. Mais vous pensez que je vais pouvoir faire quoi avec cette voiture? Non les gens, vous savez quoi les gens, je suis désolé, je pourrais garder cette voiture mais malheureusement il faut que j'aide ma maman et que je dois trouver 5 millions d'euros. Donc je pense qu'on va aller la vendre et on va surtout voir combien je peux la vendre. Bon les gens, j'ai garé la voiture, en tout cas je me serais bien amusé avec. Bon je vais aller voir du coup le monsieur qui vend et qui achète les voitures. Je crois qu'il achète des grosses voitures. Ouais regardez la grosse voiture qu'elle a là. Oh là là. Bonjour monsieur, vous allez bien? T'es petit? Ah ah. Mais comment ça il se fout de moi parce que je suis petit Mais arrêtez de rigoler monsieur, déjà je viens vendre une voiture, je viens vous vendre une voiture ou... Arrêtez de vous moquer de moi déjà, je viens vous vendre une voiture. Je rigole tiens. Ok ok, bah écoutez suivez-moi monsieur, je vais aller vous montrer ma voiture que je vais vous vendre, ça vous va? Suivez-moi si vous voulez. Allez, vous allez voir c'est une voiture, c'est une belle voiture hein. Hop là, voilà. Alors vous la trouvez comment? Oh yes! Comment ça? Oh yes! Elon Musk, sa voiture métal. Ah bon? Les gens, je savais pas que j'avais la voiture à Elon Musk. C'est incroyable. Bah écoutez, ouais, c'est la voiture à Elon Musk. Voilà, voilà. Donc, du coup, si vous voulez, je peux vous l'échanger. Mais vous seriez prêt à me donner combien en termes d'argent contre cette voiture, monsieur? Alors, du coup, vous me l'achèteriez pour combien cette voiture? Pour 500 euros, je te l'achète. 500 euros? Mais c'est n'importe quoi, mais les gens, mais attendez, mais vous allez pas m'acheter ma voiture pour 500 euros? Non, non, j'accepte pas. Vous êtes en train d'essayer de me rouler, j'accepterai pas. Vous êtes en train de me rouler, monsieur, j'accepte pas. Moi, si c'est ça, je vais la vendre à quelqu'un d'autre, hein. Bon, ok, 1 million d'euros. Les gens, je peux lui vendre pour 1 million d'euros la voiture, c'est incroyable. Ouais, bah écoutez, oui, je vous la vends, monsieur, je vous la vends la voiture. Je veux bien les 1 million d'euros. Bah, marché conclu.
En tout cas, je vous remercie, monsieur, hein. Les gens, je l'ai 1 million d'euros. Je vous laisse tester la voiture, monsieur. Let's go, il est parti. Youhou, let's go, les gens. Bon, du coup, il est parti avec la voiture. Et maintenant, j'ai les 1 million d'euros. Donc, du coup, je vais devoir rentrer à la maison. Ah, oh, bah tiens, il est repassé. Je vais devoir rentrer à la maison avec les 1 million d'euros pour pouvoir les donner à ma maman et pour pouvoir qu'on reste vive dans notre caravane tranquillement. Allez, les gens, je vous retrouve tout de suite. Ah, les gens, je viens d'arriver chez moi. Tac, hop là. Salut, maman, ça va? Bouh, mais pourquoi tu pleures, maman? Qu'est-ce qui se passe? Salut. Bah, ça va, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleurais? Pourquoi tu pleures? Oui, ils vont venir. Ah bon? Mais attends, mais... Ah, bah, c'est en train de sonner. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Oh, regardez, mais regardez les gens. C'est le mec qui est dehors. Attendez, je vais aller le voir. Salut, toi. Alors, l'argent? Ouais, il est là, il est juste devant moi, regarde. Je te le donne. Voilà, je te le donne. Pas besoin. Comment ça, pas besoin? C'est toi qui l'as cherché comme un grand. Tu mérites 2 millions de plus. Hein? Mais comment ça? Quoi? Quoi? Mais comment ça, 2 millions de plus? Mais les gens... Waouh! Mais monsieur, mais vous étiez pas obligé, regardez. Mais les gens, regardez, j'ai 3 millions. J'ai 3 millions d'argent, mais les gens, je vais pouvoir racheter une maison pour maman. Waouh, mais regardez tout l'argent qu'il y a, c'est incroyable. Bah merci monsieur, c'est gentil. Je vous laisse, au revoir. Bah écoutez, pas de soucis, au revoir monsieur. Ouais, mais là, mais les gens, vous avez vu tout l'argent qu'il y a? Mais c'est monstrueux. Oh là là, mais bon, bah attendez, faut que je prévienne maman. Maman, viens voir, maman. Regarde tout l'argent qu'il y a. Regarde tout l'argent que j'ai récupéré, maman. Oh mon dieu. Et d'ailleurs, tout est payé par rapport à la maison. On sera pas obligé de partir. On peut rester ici avec tout l'argent. Oui. Ah bah tant mieux si t'es fier. Oh, regardez, elle se met carrément à danser, ma maman. Ah, je crois qu'elle est vraiment contente. Bah écoute, tiens, maman, prends le sac d'argent et puis va te faire un cadeau. Enfin bref, les gens, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Clairement, on s'en sera bien sorti. En plus, maintenant, on a plein d'argent avec ma maman. Et ça, c'est super. Sur ce, les gens, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et bien évidemment d'activer la cloche, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à aller regarder l'une de mes autres vidéos. Gros bisous tout le monde.